Thank you for, first of all, thank you for inviting me. Yesterday I had a discussion with a colleague that I heard him in the radio. Which accent is more charmant? What has more charm, the French accent or the Spanish accent? So I am Spanish accent, you have a French accent, you will decide later which one has more charm. I believe the French, by the way. Well, I could answer your question with one sentence that you would not like, and my answer is pretty much the same like now, but I will elaborate on that. Look, the conflict which we are talking about, the conflict between Jews and Palestinians, the problem with this conflict is that it's very easy to describe it and very difficult to solve it. I would prefer the opposite. A conflict that is difficult to describe and is easy to resolve, but unfortunately that is the situation. Which way I see, in order to know how to handle a conflict, how to try to solve a conflict, you have first of all to understand its basics. The basic, in my view, of the conflict is, I would say, simple in its complexity. There are two genuine, sincere national sentiments, national narratives, national beliefs. One is the Jewish one, the Zionist movement. Zionism, as I understand it, is the national liberation movement of the Jewish people. That, to put in one sentence what Zionism is, in my view, for 2,000 years we were dispersed after we were expelled from our homeland. The first opportunity we had, thanks to Theodor Herzl and his colleagues, to come back to our homeland, we did it. To regain sovereignty in our homeland, in our historic homeland. By the way, I am a completely secular person. In my belief, it doesn't have anything to do with religion, but with history, with tradition, with culture. This is one national liberation movement, as we as Zionists believe completely sincerely, and it's completely genuine and very deep belief that we virtually had with the milk of our mothers, as we say in Hebrew. The other one, the Palestinian national movement. You know, there is a guy in the United States, Newt Gingrich. He was the Speaker of the House of Representatives in Washington, D.C., and he ran for president in the Republican primaries. And he said that the Palestinians are an invented people. Now, maybe he's right, he's wrong from a historic point of view, but one thing for sure, that is today completely irrelevant. Today, there is an ethnic group that defines themselves as Palestinians, and they have a national sentiment, strong, sincere, genuine, and then claim the same patch of land as their homeland. The problem is, just completely naturally, I'm not accusing them of that, they couldn't care less about the fact that King David walked in these areas. For them is, in the best case, a folkloric tale, and in the worst case, a complete invention that a guy named David existed here 3,500 years ago. They couldn't care less about the fact that we, for 2,000 years, said every Seder of Pesach, Leshana Abba B'Yerushalayim. Really, they couldn't care less. So what if we said Leshana Abba B'Yerushalayim? And for them, we are a classic late 19th century colonialist endeavor. Now, to the bad news. Unfortunately, between those sincere narratives, if, you know, like in the Solomon judgment, if one of them was an invented one, we could solve the problem. But both are genuine, are sincere.
And therefore, unfortunately, very unfortunately, tragically, I doubt if there is a theoretical point in which the two narratives, the two national sentiments converge. That is a tragedy, no doubt about it. It is a tragedy, but it is also, as I see it, a fact. Now, you could, under those circumstances, try to, you know, in Hebrew, I'm not sure you say it also that in French or in English, but in Hebrew we say lerabea et ha-ma'agal, to try to square the circle. You can't try to square the circle. There are ways in which, you know, there is a kind of, you create a kind of square from that circle. There are two ways I know. One is the famous, some people say infamous, two-state solution. The two-state solution has two shortcomings. Very small shortcomings. The first one is that it is impossible to achieve it. If 20 years after Oslo, we didn't achieve it, and let me remind you that Benjamin Netanyahu was not prime minister, the only prime minister during those 20 years. We had a prime minister named Ehud Olmert that was religiously, almost religiously believed that we must agree to, we must achieve the two-state solution, and he couldn't do that. The burden of the proof that the two-state solution is possible is in the believers of this solution. I think it is impossible. I think it's impossible, as I said, because I just explained why. But empirically, we see that read the Condoleezza Rice's memoirs. When she saw the offer that Olmert extended to Abu Mazen, she ran to the Oval Office, to the office of the President of the United States, and told him, "Mr. President, you were right. The guy is serious, and even more serious than you thought." And Abu Mazen ran away without giving him an answer. Now, so you see, you can't doubt, by the way, Prime Minister Netanyahu's sincerity when he talks about two states. You can. There are mornings in which I wake up and I think that Netanyahu means two states. There are mornings in which I wake up and I think that Netanyahu is bluffing the whole world. And I suspect the same thing happens to Netanyahu. So you can, but not Olmert. And not Ehud Barak when he was prime minister. So the two states, in fact, the fact of the matter, to sum up this point is, the fact of the matter, the gist of the matter is that the Palestinians rejected the two-state solution time and again. They rejected it in 47, they rejected it until 67, they established the PLO, the Palestine Liberation Organization, when Judea, Samaria, and Gaza were in Arab hands. They rejected it in 2000, they rejected it in 2008, they rejected the two-state solution. And that's a fact. And then there is the other option to solve the problem, to try to, as I said, to square the circle, is the one-state solution. One man, one vote in the terminology of another country. Well, we will not accept the one-state solution. Exactly as the Arabs did not accept the two-state solution, we will not accept the Jewish society. Maybe, I don't know, Avrum maybe, and we will hear, but maybe I don't know what his position is on that, but the vast majority of the Jewish society in Israel, from Zehava Galon to the left, to Uri Ariel and Naftali Bennett to the right, will not accept to give up the Jewish identity of this country, and a one-state solution is giving up the Jewish identity of this country. So, now, very briefly,
to your question. The conflict right now is a set of equations that does not have a solution. Now, you have two options when you encounter a situation like that. I heard here something about mathematics. I didn't understand that. It was in French. But, you know, when you get an exam in mathematics and in the university, in college, and you get a set of equations that doesn't have a solution, you have two options. The first one is to write, Mr. Teacher, this set of equations doesn't have a solution. You present a clean sheet of paper and get an A, a 100, a 10. The other option is to try to impose a solution. No, I don't believe it doesn't have a solution. If you try to solve it, of course you get to a cul-de-sac. And then you see, you scratch and then start again and again and again, and you present a very ugly sheet of paper and you get a zero. There's a third solution, to change the equation. To change the equation, that's good. So, one of the options that we have is to despair. To say the Zionist project was an error, if there is no solution to the Palestinian the conflict we have with the Palestinians, the whole thing of Zionism was an error, I don't accept that. And the other option is to see the situation as it really is, without illusions. By the way, it's much better to stand here, it's much nicer to stand here and say there is a beautiful solution to the conflict, but I don't like to lie. There is no. And therefore, what you have to do for the time being is to improve the situation on the ground, to make the lives of Palestinians and Israelis better under the current less than ideal circumstances. And we can do a lot. I think Israel is guilty. I'm not ashamed of saying that. I think Israel is guilty of giving a blind eye to the dignity of the Palestinians. I think that a lot of ugly incidents in checkpoints, and checkpoints as a system are wrong. And we can take calculated risks and remove a lot of them, maybe all of them. I think that ultimately the barrier that divides the so-called security fence barrier, etc., should be removed. And complete freedom of movement should exist. I think what we have Israel's responsibility is to make an aggressive offensive of human rights to the Palestinians, also to the Jews. By the way, the fact that my daughter has to go to school in a bulletproof bus is an infringement of her human rights. Terror is also an infringement of human lives. And the political solution or the final status, the political final status, will be left for a future, maybe even a distant future, yes. See, for the time being, the maximum we can achieve, if you don't want to illusion yourself, the maximum we can achieve is an improvement of the current situation. That means that the Palestinian Authority, a strengthened Palestinian Authority, and an environment with more human rights and prosperity and projects of coexistence exists. The Palestinian Authority rules the life of 90% of the Palestinians in 90% of the areas of life. By the way, let's not underestimate the importance of that. It's not nothing. The fact that there is a democratically elected Palestinian Authority elected by the Arabs of Gaza, Judea, Samaria, and even East Jerusalem. They also elected a parliament. Later, they made a coup d'etat in Gaza, and everything crumbled. But this is no small thing. The Arabs, the Palestinian in Ramallah,
was the second Arab in the Middle East after the Israeli Arabs that went to a democratic secret ballot to elect a president. Yes, not a president on a fully independent state of a an autonomous national authority, and voted and elected a president and elected parliament that has a very significant influence on their lives, on their national character, and their national behavior, etc., etc. That's what can be achieved by now. So if you ask me what will be the situation in 3 or 5 years, I think it will be pretty much the same. We should improve it where it can be improved without causing it to crumble. Again, it's not ideal. It's not doesn't give us 100% of their aspirations. Doesn't give them 100% of their aspirations. The difference with the illusions of the two state, one state, etc., etc., is that this improvement can be achieved. Thank you. Honey, about the last 3,500 years of history, though I have a little bit of a different reading of both Jewish history, Zionist history, and Israeli history, I would like to follow the footsteps of Danny actually exactly. There was a moment in the last elections in which I thought I know who is Netanyahu. That was a moment in which Danny Dayan resigned from his leadership position as the head of the settlers and said to Netanyahu, we read the situation the same way, and therefore I wholeheartedly support you and I'm behind your leadership. I thought, wow, there is one Netanyahu. The Netanyahu of Danny Dayan. Comes today Danny Dayan and says, no, there are two Netanyahus. Okay, so I'm a bit lost. That was a morning you wake up. Yeah, but I asked myself, how do you wake up, okay? Forget about Netanyahu. I mean, I don't know how he sleeps in the evening, but how he wakes up in the morning is beyond me, okay? But I ask myself, who is Danny Dayan? Okay, is it Danny Dayan Netanyahu A, or is it Danny Dayan Netanyahu B? Okay, and I have no clue. So instead of trying to chase Netanyahu A and Netanyahu B, Danny Dayan A and Danny Dayan B, I'll try to answer the question. And my answer is, I hope that in 5 years' time, Israel will be Israel of the Middle East, and the solution, etc., will be according to Netanyahu's vision. I'm all married to Netanyahu's public rhetorical commitment. All of it. I don't care that he came to it a little bit late, too late, 30 years too late. But I'm there with him. Let's begin with the concept of, in 5 years' time, according to Netanyahu, from this morning, the threat of Israel of becoming a binational entity, this morning's warning, will be resolved. I mean, if I'm a prime minister who wakes up in the morning, I mean, we had Likud prime ministers who never woke up in the morning, like Yitzhak Shamir and others, okay? But if you're a prime minister who makes the effort to wake up in the morning, okay? And you read a headline coming out of your mouth that within a couple of years, Israel is moving according to a scenario described here into a binational state. You have to do something about it. You're not a prime minister just to warn us. We're elected to do something. So what do you do, according to Netanyahu, to solve the problem? You do something which is out in the open, and a couple of things which you don't see, but politics is not always just about what you see, sometimes about things you do not see. First, you go to the formula of a two-state solution. Listen, it's the commitment of the prime minister in the Bar-Ilan speech of his, over the Knesset, and in so many other commitments of his internationally and nationally. So the formula is known how to go toward this place. But the practicalities of Netanyahu are unbelievably effective. I think that from a left-wing peace camp point of view, the last term of Netanyahu was the best term for the peace camp ever. The best ever. Under his term, the last 4 years, the Palestinians are having officially a Palestinian state.
with almost, not the same, but almost the same procedure and process that the State of Israel got is in 47. They went to the United Nations, were voted by the international community, totally recognized first step toward an official full state acceptance, and this happened under Netanyahu's Mr. Diplomacy, Mr. World Politics. It's amazing. Not only this, Israel is always trapped in a kind of a following loop. We always create a loop through which we can run away from our commitment. And by the way, Danny, the fact that we do not have a Palestinian state, a lot of it has to do with the Palestinians. A lot of it has to do with them. But no Israeli prime minister, neither Rabin, nor Peres, nor all the rest of them, really wanted the thing. Even Oslo was not there. The only one who was fully married to the idea was Olmert. And if you ask me in the middle of the night, do I believe that the outrageous impeachment of Olmert from his position is not without a political dimension to it? Charles will tell me how the conspiracy works, okay? And I'm not at all sure that one of your fingers was not there, Danny. Okay? One of them, I didn't say the whole hand. I said just one finger, just, you know, to stir the pot. Having said that, and coming back to the issue, the second thing, fantastic thing that happened under Netanyahu in the last couple of years, Israel negotiates with Hamas. We did it very softly with the first flotilla of Olmert. We did it out in the open with Gilad Shalit. And the concert with Gilad Shalit is, by the way, fantastic when it comes to politics. The Israeli society, and through its political system represented by the prime minister, the numero uno elected individual, was ready to negotiate everything with Hamas for the fate of one individual, and said out in the public, but we are not ready to negotiate for the same price as the fate of two nations with Hamas. So the time passed, Gilad Shalit, thank God, is out, and Israel is sitting, I take it even now, in Cairo, and negotiating with Hamas after the ceasefire agreement achieved just last year with the mediation of the Egyptians. So we have a Palestinian state under Netanyahu's shift. We are under his leadership negotiating with Hamas. And two more components, which in 5 years' time will go from the backstage to the front stage, the two major players in the region are, and will be much more, the Turks and the Egyptians. So this is more or less what is written on the wall, where it goes. Is it good? Is it bad? Everybody can judge it. But this is a reality which has a potential to create a new political equilibrium. Why this new political equilibrium is so crucial? Because actually, as for now, with all the improvements and the roadblocks and the civil rights and the human rights and everything that Danny gives, I take. This I already have in my pocket. Okay? And if we'll come a year time and he will give some more, I'll take some more. But by the end of the day, between the Jordan and the Mediterranean, for the last 45 years, we have one state solution. The state of Israel is the sovereign, and it's a situation in which 50% of the people are having almost full democracy. When I say almost, it means my children cannot marry the way they believe because marriage is only Orthodox in Israel. You cannot marry somebody from the same sex in Israel, unlike France, for example. You cannot marry somebody who is not Jewish in Israel, but all the rest of it is perfect. Well, it was this week, not the other. Yeah, I mean, all the rest of it is almost perfect, and I can stand behind 50% of the national pride. Israel is the only half democracy in the Middle East. Why do I say this? Because the second half of the population, as much as all the roadblocks will be removed and all the schools will be invested as much as they are invested in Jerusalem, which is under our sovereignty. Just look, the East Jerusalem is equal to West Jerusalem.
And this is not Palestinian authority, not Palestinian sovereignty, nothing. It is ours. And the discrimination is crying out there just a couple of hundreds of meters from here. Let's say it's all equal. Then one day will stand an individual and say, listen, listen, you have a state, you go every 4 years to the ballot box, I want the same. And if you do not read very carefully what people are telling you out there in Palestine, there is violence, and there is violence our side, there are religious extremists, and there are religious extremists, the equations are more or less balanced. More or less balanced philosophically. But beyond this, there is a new generation who says we are not about violence. We are about rights. We want our rights. And is it possible for 50% of the Israeli de facto population, the Palestinians, to vote in the last 45 years in Nablus for their parliament? Less time than individual in Damascus. Is it possible? Is it a democracy? And the minute the discourse will move from the national big structures and narratives and conflicts and impossible stories and histories, etc., to the to the rights of the individual, and out of the rights of the individual arising automatically and naturally the rights of the collectives, that's the end of the story. If one day the Palestinian leader, whomever will it be at the time, will discover some necessary organs for political leadership, let's put it like this, okay? And will come to Mr. Netanyahu and say, listen, the Palestinian Authority, which was established in Oslo, was supposed to live up until May 99 as a transition period. From May 99 and on, whatever the reasons were, we became the subcontractor of the occupation. We do some of the security for you, we do some of this for you, and some of that for you. Not anymore. Here are the keys, Mr. Prime Minister. The Palestinian territories are yours. Do with it whatever you like. You want to occupy it, occupy it. You want to have it, whatever it is. It's yours anymore. We do not run the occupational show for you anymore. Because we want rights. At this very day, the Palestinian state will move from the de facto level to the de jure one, or from the de jure to de facto, it depends how you look at the current situation. This will be the day in which, never mind who is the Israeli prime minister, right, left, or right wing or left winger, will say, uh-oh, that's it. I don't have the buffer, I don't have the subcontractor, I have to do something about it. And that's the day in which the practical politics will happen. If this way, they will not come, because the Palestinians will not come, because Dani Dayan will not be the prime minister, because Netanyahu will be the prime minister. Okay? Whatever reason, we shall see the following situation. This current state of affairs can continue forever. Only did I tell you in June 67, one day we shall convene here in Jerusalem, 45, 46 years later, and the situation will be more or less the same. Would you believe it 45 years ago? The answer is one yes and 200 no. But I was right. Yeah, well, you're still wrong. Okay? And the fact that it is like this shows that it can continue forever. Let's assume it continues forever. Let's assume that one day the situation wakes up and the world is telling us, we're fed up with you. We're fed up with you. We European taxpayers, but the Swiss are not paying taxes to Europe, okay? But we European, and soon Italy, okay? But we European taxpayers, we are not ready to finance the occupation anymore. Here will come a day in which America, forget about all the beautiful biblical rhetorics and all of this and all of that, will be fully independent from the Middle East energy, will say, excuse the French, fuck you, Middle East.
do with it whatever we like, we're not going to pay this stuff anymore. When you have a solution between you, Danny, and Abu Mazen, come back to me. A day will come in which the civil society, in Europe first and other places second, despite the fact of what governments will do or will not do, the civil society will force the political system in Europe to monitor who lives where. And an individual like Danny, who lives in the occupied territories, will have to fill a form. I want to enter the EU or the European Union, and I'm living in the occupied territories, and I know that I might be exposed to some legal responsibilities. People will be asked, did you serve in the occupation? Now, if you think that I'm talking about theory, I'm talking about what happens now with the real civil society, and you know better than I do the power of the civil society when it comes to these issues in your societies. Take this, and you understand that the dream about forever status quo is actually a nightmare for a better future for this region. Now, let's come back to Netanyahu. Netanyahu's rhetoric all during his term was, I was the first one to realize. Right, Danny? First one to realize. There is only one thing he was the last one to realize. Two states. Okay? But the minute the Israeli prime minister, whomever will it be, and I believe if you ask me now a minute of seriousness, I think that Netanyahu's energy is over. I think that Bibism is over. I don't know who will replace him, right, left, center, but the energy of let's not do a thing as a philosophy, it's over. But my feeling is that once the Israeli prime minister and the Israeli constituencies will read the reality either through rational reading or through concerns and international and local local pressures, I'm sure that the possibility of the two-state solution will come back to life. There will be a withdrawal from the West Bank like there was the one from Gaza. And if you ask me, it is not only needed, it is possible as well and much less traumatic as Danny as his friends try to frighten the rest of the Israeli majority. Thank you very much. J'ai des critiques aussi bien pour Danny que pour Avrom. Danny, tout d'abord, ce qu'il nous a dit au sujet d'Olmert et Abu Mazen, Mahmoud Abbas, qui rejette les propositions généreuses d'Olmert. Je suis désolé, j'ai rencontré Livni, j'ai les papiers, votre citation sur Condoleezza Rice est inexacte. Olmert a fait une concession à Condoleezza, à condition qu'elle ne soit pas remise aux Palestiniens ou aux autres. Les négociations entre Olmert et Abu Mazen se sont arrêtées en raison de la crise en Israël. Abu Mazen n'a pas rejeté les propositions d'Olmert. Lors de la dernière séance de négociation, Olmert a donné à Abu Mazen un plan de la Cisjordanie avec effectivement des blocs de colonies, un retrait israélien plus important que ce qui a été proposé jusqu'à présent. Et il n'a pas donné la carte, il lui a montré. Les négociations sont arrêtées en raison du scandale en Israël. Et comme l'a dit Avrom, il y a pas mal de soupçons sur la manière dont subitement les affaires se sont accumulées sur Olmert. Donc, Danny, this was not. I disagree with your explanation about Olmert and Abu Mazen. Je suis ici quand même depuis 43 ans. J'ai fait, c'est mon septième bouquin sur la région. C'est trois films, là je fais le quatrième. Et ça fait bien 15-16 ans que j'entends mes amis de gauche me dire « Le président des États-Unis, dans son deuxième mandat, il aura la force, il ne sera plus poussé par la réélection, il va imposer un accord ».
que j'entends les gens qui disent les Européens en auront marre. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais rencontré un ministre européen de la coopération. Je lui ai dit, pourquoi vous continuez à payer? Il m'a dit, mais les Palestiniens vont mourir de faim si on a... Bah, oui. Pour l'instant, les Européens, vos impôts passent à l'autorité autonome. La seule question est de savoir comment le budget palestinien va être couvert l'année prochaine. Je crois que c'est le Qatar qui a sorti un chèque et les Américains aussi. L'autorité palestinienne est au bord de la faillite. Ça arrivera dans les mois qui viennent, l'année qui vient, c'est obligatoire. Abou Mazen, Mahmoud Abbas, répète à peu près tous les deux mois qu'il va envoyer, je vous donne les noms, Saeb Erekat, Abed Rabo et un autre chez Netanyahou pour lui rendre les clés. On en parle constamment chez les Palestiniens et dans l'autorité palestinienne. Pourquoi ça tient toujours? Ça tient toujours uniquement par inertie. L'autorité palestinienne existe aujourd'hui uniquement par inertie. Il faut voir les policiers palestiniens qui en ont marre. D'abord, ils sont mal payés quand ils sont payés. Parfois, le commandant d'un commissariat palestinien est obligé de louer un autobus pour les amener parce qu'il n'y a pas d'argent pour mettre de l'essence dans les voitures de patrouille. Et malgré cela, ils continuent à rencontrer les militaires israéliens, à coopérer. Si on a eu un an et demi sans morts israéliens en Cisjordanie, là il y a eu un colon qui a été tué à coup de couteau, mais c'est effectivement aussi bien le travail de la police palestinienne, le travail des services israéliens et le travail de l'armée qui, depuis quelques années, a une politique plus intelligente vis-à-vis des Palestiniens. On essaye d'expliquer aux soldats de ne pas ouvrir le feu à tout bout de champ, ce qui est déjà pas mal. Il y a aussi des périodes où il y a beaucoup moins de morts palestiniens. Et la vision de Dani, de moins de checkpoints, plus de facilité pour les Palestiniens, l'armée israélienne essaye de le mettre en place. Ça ne marche pas toujours. Ma vision est assez pessimiste parce que, pour moi, le sionisme libéral non annexionniste, ou si vous voulez, la gauche israélienne sioniste, eh bien écoutez, a perdu. Selon les sondages, les travaux notamment d'une sociologue, Tamar Herman, nous représentons entre 14 et 18% du public juif en Israël. Je ne veux pas dire que c'est beaucoup. L'étude des visions religieuses du public juif en 2009 sont très intéressantes. 51% des juifs israéliens pensent que le Messie va venir. Non mais il ne faut pas rigoler, c'est sérieux. Ça représente les religieux, les sionistes religieux, mais aussi les traditionnalistes et même des séculiers. Les chiffres sur Dieu a donné la Torah au peuple juif, qui est donc le peuple élu, c'est, on est à 67%. Alors on a cru un temps que les juifs venus de l'ancienne URSS seront séculiers, laïcs, ne renforceront pas le camp religieux. D'après ces mêmes études, c'est le contraire qui est arrivé. Pour s'intégrer dans la société israélienne, ils en ont adopté ce que l'on appelle l'histoire. Et l'histoire telle que, et ça c'est un des succès à mon avis du système éducatif qui pendant de longues années a été dirigé, tenu par la droite israélienne, d'abord pour la droite les droits historiques du peuple juif sur cette terre qui va de la mer au Jourdain et parfois même au-delà, et le sionisme religieux pour qui c'est une décision divine. Le retour des Juifs sur cette terre, c'est un processus messianique. 360 000, vous connaissez les chiffres comme moi, 360 000 habitants dans les colonies de Cisjordanie, ça ne s'évacue pas. Dani a fait un papier à l'époque dans le Washington Post, dans le New York Times, qui avait fait jaser pas mal. Il avait fallu 13 000 soldats et policiers pour évacuer les 8 000 colons de Gaza, de Gush Katif. C'est pas ce que j'ai écrit, mais never mind. What I wrote in the New York Times is that the removal, not because of technical problems, it's
The settlements are irreversible. Yes, in one sentence, that's what I wrote. Not because how many soldiers we need. Non, mais c'est le calcul est intéressant dans tous les cas. S'il a fallu 13 000 soldats et policiers pour évacuer les 8 000 colons de Gaza, vous ne trouverez pas, multipliez ça, rien qu'à Bechtel, vous avez 8 000 colons. Il y a 100 à 150 colonies équivalentes de Bechtel en Cisjordanie. Considérez également le fait qu'aujourd'hui, près de 40% des officiers d'infanterie sont des sionistes religieux. Une partie d'entre eux habitent les colonies, sont dans les unités d'élite, et on a de plus en plus d'officiers supérieurs qui habitent même parfois dans des avant-postes considérés même comme illégaux par le gouvernement israélien. Je ne vois pas certaines unités commencer à évacuer des dizaines de milliers de colons de Cisjordanie. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, en admettant qu'un accord soit possible, et vous avez des gens, Shaul Arieli et d'autres, qui vous disent, le colonel des militaires, des généraux pour la paix, qui vous dit que malgré tout, la solution à deux États est toujours possible, en évacuant un peu ici, en faisant des blocs d'implantation un peu plus grands là, etc. C'est jouable. Mais Jérusalem-Est et le mont du Temple, le Haram el-Sharif, est-ce qu'il y a aujourd'hui un gouvernement en Israël qui est prêt, ou qui sera prêt, même de gauche, à renoncer à une souveraineté, même partielle, sur l'esplanade des mosquées? Je n'y crois absolument pas. À Camp David, et sans dans un de mes bouquins, Ehud Barak, et pour moi c'est une des raisons pour lesquelles Camp David a échoué, à Camp David, Ehud Barak a dit à la délégation, aucun premier ministre de l'État d'Israël ne peut renoncer aux vestiges du temple sur lequel se trouve est fondé le rocher du sionisme. Le rocher, entre parenthèses, dans la bouche de Barak, le travailliste à l'époque, c'est intéressant parce que c'est le rocher de la fondation qui est, pour les religieux, c'est Tzur Israël, c'est Dieu, c'est l'esprit divin sur l'esplanade. Avant même de commencer à discuter d'un possible accord sur la Cisjordanie, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait arriver un jour à un accord sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Maintenant, côté palestinien, et on en parle beaucoup, et on a eu l'initiative de la dernière initiative corrigée de la Ligue arabe, à savoir que la Ligue arabe accepte le principe de correction de frontières limitées pour permettre les blocs d'implantation. Un, ce n'est pas nouveau. Deux, on en a parlé aussi bien à Camp David qu'à Tabar. La discussion dans les coulisses jusqu'à maintenant a toujours été sur la taille de ces blocs d'implantation. 1% 6, disent les Palestiniens. Olmert parlait de 5 à 6%, qui était à peu près d'ailleurs ce que Clinton à l'époque proposait. Mais en dehors de ça, il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Et la réponse de Netanyahou a été bien claire. Un, ce n'est pas un problème on ne discute pas des implantations maintenant, on ne discute pas des frontières, on discute de l'État juif et on discute de la sécurité. Alors reconnaître Israël comme l'État juif, c'est intéressant parce que, autant que je sache, David Ben-Gurion, en 48, a proclamé un État juif. C'est la déclaration d'indépendance. Par la suite, et dans mon dernier livre, je passe des textes que Ben-Gurion... des lettres que Ben-Gurion a écrites à un juif américain qui lui demandait des explications, c'est l'État où les juifs sont souverains. Maintenant, oui, c'est vrai, il y a des non-juifs qui sont également israéliens. Voilà. Donc, on ne comprend pas cette exigence de la part des Israéliens aux Palestiniens, parce que jusqu'à présent, c'est bien l'État d'Israël, tel qu'il a été reconnu par Ben-Gurion, qui figure dans les lettres de reconnaissance que Rabin et Arafat avaient échangées à l'époque. Pour moi, et encore une fois, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu dans mon dernier bouquin, le sionisme nationaliste de la droite, allié au fondamentalisme messianique, aujourd'hui a remporté la mise. Je ne sais pas où on va. Est-ce qu'il y aura la grande crise provoquée par les Européens, les Américains ou quelqu'un?
on peut toujours rêver, mais alors là, est-ce qu'on ne vire pas à un messianisme de gauche qu'un jour la paix nous sera imposée? L'événement le plus probable, c'est la désintégration de l'autorité autonome, soit d'elle-même, la faillite économique, ils ont 2 à 3 milliards de dollars de dettes, ils sont en déficit permanent, Salam Fayyad essaye de prendre la fuite, il a démissionné, il gère les affaires courantes, mais dès que quelqu'un de l'autre est nommé à sa place, il s'en ira. Garder le statu quo actuel, à mon avis, Danny Dayan a tort, ça ne tiendra pas. On va vers un retour de l'occupation. Alors, je suis allé voir qui est pour. Si Danny Dayan, lui-même habitant la colonie de Mahal et Chomron, pense qu'il faut maintenir le statu quo, vous avez des gens comme Uri Ariel, lui-même un colon, qui est ministre de l'Habitat aujourd'hui, il dit bah, il faut leur donner les droits, il faut les intégrer, il faut imposer la souveraineté sur la Cisjordanie. Uri Elitzur, un éditorialiste de Makor Rishon et un colon de Ofra, et qui lui-même écrit pas mal là-dessus, dit on peut intégrer encore 1,5 million de Palestiniens à l'État d'Israël, il faut leur donner le droit de vote. Alors, problème démographique, est-ce que ça voudra dire que les Juifs seront minoritaires un jour? Théoriquement, oui. Maintenant, à partir du moment où on est poussé à la fois par la foi messianique en se disant ben, on est là parce que Dieu l'a décidé, s'il y a des Arabes en Eretz Israël, quiconque aime Eretz Israël aime nécessairement les Arabes qui y sont. Donc on doit leur donner tous les droits. C'est une position intéressante. Est-ce qu'on va vers là? J'en sais rien. Je ne pense pas que l'ensemble du public israélien aujourd'hui est prêt à intégrer comme ça les Palestiniens. Moshe Arendt, ancien ministre de la Défense, Likoud, lui aussi envisage une solution de ce genre. Je l'ai dans mon prochain film. On annexe la Cisjordanie. Rivlin Gabra, Shamanu Otto. Rivlin aussi, l'ancien président de la Knesset. C'est une vision. Est-ce qu'on y va? Alors, nous, avec notre pensée occidentale, on pense Israël va dans le mur avec ce genre de politique. Intégrer encore 1,5 million, parce qu'il n'est pas question d'intégrer les Palestiniens de Gaza. Hein. Ça, personne n'en parle. Seulement la Cisjordanie. Hein. Il faut se mettre dans la tête des gens qui vous parlent. Un, à droite, quelqu'un comme Rivlin dit « ça a toujours marché dans le passé. Regardez, on a intégré les Arabes israéliens, ça se passe pas mal. On peut faire la même chose. Au lieu d'avoir combien 20% d'aura, 33-35% d'Arabes israéliens, oui, et puis il y aura peut-être de l'immigration, et puis ça a toujours marché dans le passé. » Mais ça, c'est le type de pensée Likoud typique, à savoir ça finit par marcher, on fonce en avant, quel que soit le prix, et on réussit. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'il y a effectivement 360 000 colons en Cisjordanie, 200 000 à Jérusalem-Est, et puis la gauche qui parlait il n'y a pas si longtemps que ça de la solution à deux États, ça n'existe plus. Un petit détail. En octobre 2000, en pleine intifada, je rencontre un des ministres du gouvernement Barak et je lui dis, c'est un fondateur de la paix maintenant, et je lui dis, tu sais que Barak mène le processus dans le mur. Regarde aussi même combien de colonies ont été construites. Et il me répond, oui. Et alors, tu fais rien, tu dis rien? Bah écoute, non, je suis ministre. Pendant l'époque où Ehud Barak, travailliste avec Meretz au gouvernement, était en fonction, plus de colonies ont été construites qu'à l'époque où Shamir était Premier ministre. Alors, je crois que c'est là qu'est le problème. Comment voyez-vous Israël et les Palestiniens dans 5 ans?
Je vais vous dire tout d'abord la première chose, c'est pas du tout peut-être politiquement correct, je n'en ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas. Je peux simplement, et je ne veux pas rentrer dans une analyse très longue du passé, j'ai entendu des choses assez vraies, et puis d'autres, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ça nous mènerait dans un très long débat. J'aurais simplement posé quelques points. Je ne crois pas, contrairement à Charles, mon ami Charles, que des choses soient irréversibles. Mais il serait fou de ne pas voir la situation et de dire, l'État, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réussi à faire un partage, à créer deux États. Eh bien, dans quelques années, avec le temps, avec les pressions américaines, avec je ne sais pas quoi, les choses vont s'arranger. Je veux dire, il est évident, et vous êtes les premiers à le voir, et Dany pour s'en réjouir, que nous avons une situation actuellement du fait de la colonisation en Cisjordanie. Je ne dis pas que c'est irréversible, mais c'est très, très, très difficilement réversible. C'est une différence. Mais on a un fait de... Vous avez les chiffres. Et ce n'est pas simplement les chiffres, c'est également l'attitude de l'ensemble de la population israélienne. C'est-à-dire que l'idée fondamentale, pas du sionisme de gauche, mais disons du sionisme pragmatique, qui était celle d'un partage, ça ne faut même pas l'oublier, quand même Ben-Gourion, pas de gaieté de cœur, mais était quand même d'accord pour un partage, cette idée est en train de lentement de mourir. Est-ce que c'est certain que cette mort est définitive? J'espère que non. Je n'en suis pas certain. Mais effectivement, la situation est grave. Et c'est surtout sur ça que je voudrais vous parler. Je veux dire, on blague et tout. Moi, je trouve que la situation est tragique. Je trouve que on parle légèrement, l'occupation, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, en Cisjordanie, ce n'est pas une situation d'occupation. Depuis 45 ans, la population ne vit pas sous occupation. Elle vit sous une forme de colonisation. C'est-à-dire que nous avons deux populations qui vivent sur le même territoire, sans les mêmes droits. Et je ne crois pas, franchement, je ne crois pas, la partie des colons qui disent sincèrement nous voulons les mêmes droits. Je ne vous crois pas. Comme je ne crois pas Netanyahou quand il parlait qu'il voulait deux États. Et ce système, je n'utiliserai pas le terme qu'avait utilisé Barak, c'est apartheid, mais c'est un système ségrégationniste. Et un système ségrégationniste, ça a deux conséquences. Ça a une conséquence pour les gens qui en sont victimes, et ça a une énorme conséquence pour les gens qui sont au pouvoir. S'il y a quelque chose que je considère qu'il y a un pourrissement de la société israélienne, il y a un pourrissement moral. Il y a une phrase de Peggy que j'aime beaucoup, c'est « il y a pire qu'un peuple, il y a plus pire que la perversité, c'est l'habitude ». Eh bien nous, en tant qu'Israéliens, on s'est terriblement habitués à une situation qu'il y ait deux populations sans les mêmes droits. Alors, en quoi, comment de cette situation, si, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une situation, nous sommes dans une situation binationale. Genre, on parle d'État binational dans l'avenir, mais je ne sais pas s'il y aura un État, mais nous sommes dans une situation. Et je ne vois pas comment on va s'en sortir, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne crois pas. Et là, peut-être, je divergerai avec d'autres. Je ne crois pas qu'un beau jour, ce genre de situation fait qu'on va tous vivre ensemble dans un même État. Je ne crois pas que la situation de l'oppression crée une situation d'amour ou même de tolérance. Les peuples opprimés font les meilleurs oppresseurs. Nous, Israéliens, nous en avons l'exemple. Je n'ai aucun doute que les Palestiniens feront la même chose. Donc, je vois une espèce de machine qui a commencé avec la colonisation et qui marche. Ça marche. La politique de la droite israélienne, comme le dit très bien un peu tout le monde, ça a marché. Regardez, la droite disait on ne peut pas faire de paix quand il y a du terrorisme. Bon, et puis quand il n'y a plus de terrorisme, ou presque pas, on ne fait pas la paix parce que ce n'est pas la peine. On disait, je veux dire, ce n'est pas la peine. On disait, regardez la situation économique. La gauche disait,
L'occupation va nous créer une situation économique impossible, et c'est vrai, la situation économique d'Israël est enviable, pas par rapport uniquement à ce qui se passe au Proche-Orient, mais par rapport à ce qui se passe en Europe. Donc tout va bien, mais c'est quelque chose de faux, et c'est quelque chose de terriblement dangereux. Et moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que ce sentiment d'urgence et de gravité, sans solution que je vois, j'aimerais beaucoup, et je m'adresse à vous, vous n'êtes pas en majorité des Israéliens. Il faut quand même mettre les choses comme elles sont. Moi, je suis israélien, vous vivez à l'étranger. Et je pense qu'il y a une gangrène dans la pensée qui s'étend également à l'étranger. Je suis atterré par les positions d'une partie, de la partie officielle de la communauté juive française. Je pense que ce sont des faux amis d'Israël. Je pense qu'ils enfoncent Israël. Je veux dire, et il y a quelque chose là de... Et alors, ils enfoncent Israël, et autre chose, ça c'est grave, mais il y a une autre chose qui est grave, c'est ils créent une image complètement, enfin, pour moi, détestable du judaïsme. Je veux dire, cette assimilation du judaïsme à un exode, un ethnocentrisme exacerbé, c'est pour moi un poison mortel. Et je vous donnerai l'exemple, je pense à la fameuse phrase de Netanyahou, deux élections avant, où il disait « La gauche a oublié ce qu'est d'être juif. » Alors donc la droite n'a pas oublié. Donc la droite, c'est être juif. Et c'est ce mélange qui est un mélange qui est extrêmement dangereux. Alors où je serais un peu où je différerais avec mon ami Charles, c'est que quand on parle, c'est dans la force du messianisme. Je connais un tout petit peu, enfin pour des raisons personnelles aussi, le monde religieux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je veux dire, il y a une montée du messianisme, mais c'est une montée qui n'est pas irrésistible, et c'est une montée qui renferme ses propres contradictions. Je vous en donnerai une ou deux, ça suffit. Un des problèmes essentiels qu'a eu, par exemple, le mouvement de la colonisation, c'est de s'implanter dans les cœurs. Son problème essentiel, c'est qu'on portait aussi ce qu'ils appelaient gentiment leurs herbes folles. Des gens qui attaquent aujourd'hui des Palestiniens dans des opérations de représailles et des opérations racistes, qui n'ont jamais vraiment déraciné des colonies. Et puis, il faut dire quand même que c'est de ce monde idéologique, pas de ce monde concret, qu'est issu un assassin d'un Premier ministre. Il y a eu un Premier ministre qui a été assassiné parce que des gens dans ce pays ont pensé qu'il avait commis plus qu'une trahison, il avait commis un sacrilège. Maintenant, en ayant dit ça, je n'ai pas tout dit, parce que il faut comprendre aussi que ce genre d'idée enferme sa propre contradiction. À un moment donné, pour une grande partie de la population juive en Israël, les choses vont trop loin. J'ai l'impression d'ailleurs qu'aux dernières élections, d'une façon très 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 vague, on a eu cette expression. Je veux dire, les dernières élections en Israël, ce n'est pas une montée fulgurante du messianisme juif. C'est une montée fulgurante de l'égoïsme, et on s'en fout. Avec une petite teinte religieuse qui nous permet d'oppresser des gens au nom de Dieu. Voilà. Merci. I have a lot to say, so I will say only the most important things, and when I speak too long, you will tell me that it's time to... Okay. Well, first of all, I just something that I don't know which one of you said, but reminded me that I have the ultimate scientific proof to the fact that the two-state solution doesn't exist anymore. It's completely scientific. It was written in Le Monde 2 days ago. So we cannot, if Le Monde says so, we have to agree to that. Yes, as a matter of fact, I understand that there was a discussion here, a discrepancy here about the irreversibility of the settlements. I will tell you what I said to Prime Minister Olmert. Prime Minister Olmert, during his whole administration, as his whole tenure as Prime Minister, met us, the leadership of Judea and Samaria, only once. It was 2 or 3 days before he flew to Annapolis to meet President Bush and Mahmoud Abbas. And I told him, Mr. Prime Minister,
In Gush Katif, in Gaza, there were 8,000 Jews. In Bet El alone, one of the settlements, not the largest, by far not the largest, in Bet El alone there are 8,000 Jews. In the so-called illegal outposts that are included in the Sasson report about the outpost, Talia Sasson, in the outpost alone, there are more than 8,000 Israelis, more than 8,000 Jews, the whole population of Gush Katif. So I told him, if you think that to evict 160,000, I'm not talking about the whole 360,000, in that time we were less, we were, I think, 280, 290, but even 160,000 from their homes is 20 times harder than 8,000, yes, 8 multiplied by 20 is 160, you are wrong. It's exponential, it's to the 20th degree. And in, for every practical consideration, it's completely impossible. Yes, we are beyond the point of no return, in this issue of settlements. Now, I would like to very shortly, I will try to make two points that are very important for me. One that I am a little bit surprised that was referenced here only in the margin. And it's a moral aspect of the situation. I think it's crucial. I am a person that, believe it or not, I am completely, it's completely true story. I refused to visit South Africa until 1994. I was invited, but I landed in South Africa in Johannesburg for the first time in my life in August 1994, when President Mandela was in office already 3 months. I believe in morality in personal relations, I believe in morality in international relations. And I will tell you very clearly, I feel complete, and I very rigorous, I am very rigorous with myself in moral considerations. I am completely, as an Israeli, as a Jew, as a Zionist, and as a settler leader that also worked in order to increase our numbers and et cetera, et cetera. I am completely, totally comfortable with my moral position. I would like to explain it in... Excuse me? We have no doubt. Okay, I would like to explain that because sometimes I know the demonization orchestrated and campaign against us. I'm not accusing you guys. Look, when there is a situation like this of two people that sincerely believe this is their home, you could say, as I said earlier, that partition is a just solution. I don't think so, but let's say that partition is the just solution. But what happens, partition means 50% for me, 50% for you, 65% for me, 40% for you, vice versa, 40% for me, 65% for you, that's partition of the land. But what happens, and I'm talking now from a moral point of view, not from a practical point of view, not a real politic, but morality. What happens when partition is offered by a third party and one side accepts the partition and the other party rejects it, but not only rejects it, but launches an aggression in order to take it all by force? That very moment, partition ceases to be the just solution to the conflict. Because that very moment you say to the aggressor, if you win,
you take it all. If you lose, we go back to square one. Aggression is a good thing. You have nothing to lose by launching an aggression. And that's exactly what happened in 47, and that's exactly what happened in 67. And from a moral point of view, there is no return after that moral behavior of the Arabs and Palestinians. So when we came back to Shiloh and Beit El and Hebron and Elon Moreh, as a result, I agree that acquisition of territory by force is a wrong thing. If you are an aggressor that occupies a foreign land, but if it is a disputed land that I believe 100% that it's mine, and in a defensive war I liberate it, I take it, I capture it, I occupy it, use whatever word you like, that is 100% immoral behavior. Now, I agree with you, it poses practical problems. There is a population that doesn't want us here. That's a practical problem that we have to take into consideration. It doesn't mean that we have the moral right to behave in a wrong way towards them. And I agree completely that in a conflict of 100 years, so bloody, so terrible, yes, Israel made our share of injustices, yes, and we still do our share of injustices. But on the long, in the grand perspective, in the grand picture, if we can talk about a balance of morality, we have the upper hand, yes, and that includes the settlements. That's one point that I want to make very clear. The second point is, and that will be my final point, apparently nothing happens in the diplomatic arena now regarding the Israeli-Palestinian conflict. We knew very turbulent years of summits and negotiations and Camp David and Annapolis and terror and Intifada, etc., etc. Now it seems to be a boring season. For instance, the fact that there is such excitement about the Qatari declaration that really is nothing, like, if I understood well, you said, it proves that we are in Hebrew we say, I don't think I can translate it into English, on French we call it onata melafefonim. I don't know how to. Nothing happens. Never mind, I think you understood what I mean. But in fact, I believe we are in one of the most, more serious moments of the conflict, more defining moments of the conflict, because we are, for the first time for many, many years, in a crossroads. We are in a crossroads because, believe me, even President Obama understands that the two-state solution is dead. I said that Netanyahu isn't sincere when is or is not sincere when he talks about two-state solution. I think that President Obama is not sincere because he knows it's impossible. And we are in a crossroads, what a way to turn right, left, forward, backwards. The only way to make advancements is to raise new ideas. Now, new ideas, believe me, the problem with new ideas after we had this fixation for 20 years with the two-state solution, the problem is that every new idea, the response will be, look, if no one will be brave enough to raise new ideas, that today seem even like a little bit of political science fiction, then, okay, we will stay the same way. We can't stay the same way we are. But if we want to change it, new ideas will have to rise. Now, to conclude, I will tell you my
One possible, I'm not saying that this is what will happen, but one possible path the conflict could turn. I have a few axioms, two or three axioms that I am completely convinced that there is no any possibility of a limit, of a boundary, of a border within the area of the Mediterranean to the Jordan. It's impossible. No one will be moved from his home. No Palestinian will be moved from his home. No Jew will be moved from his home. And ultimately, every individual will have to be citizen of the country, of the state that governs his life. Those are, excuse me? Including Gaza. Gaza, I will tell you, yes, Gaza will be, is. I will, if you want, I will be a word about Gaza in a moment. Those are the three, my three axioms. No limit, no boundary, no border within the territory between the Jordan and the Mediterranean, transfer of population, and no, that every individual will have to be a citizen of the country that actually governs his life. My one of the things that can accommodate those two three axioms is the following. I know it's not possible right now. Maybe it will possible sometime in the future, and maybe not. Two states with the Jordan as their political border, one east of the Jordan, that its name will be decided by its citizens. Its regime, whether a monarchy or a republic, will be decided by the citizens. By the way, as ideologically, I prefer always a republic to a monarchy. I think that monarchy is a primitive way of government. The ethnicity of the chief of state will be decided by the citizen. And a share responsibility, and I stress, responsibility, not sovereignty, over Judea and Samaria. It's a form of, I don't believe this formula or this design has even a name in international relations. It doesn't have. But the conflict here is so peculiar that it will need, yes, a completely peculiar solution. If you constrain yourself to the known formulas of federation, confederation, two states, one state, then you will not solve the problem, as simple as that. Is it possible what I am saying? Is it possible as before the Hashemite dynasty falls or not? I don't know. I really don't know. This is the reason I think for the time being we have to improve the status quo until we reach a formula that is possible. And you know, what I just suggested has a lot of problems, a lot of problems. And the current situation doesn't have a lot of problems. Of course it does. I will just one last sentence. In December, last December, I was in Washington in a forum, an Israeli-US forum that is called the Saban Forum. And I had the opportunity to ask then Secretary of State Hillary Clinton. I told her, Madam Secretary, one of your famous quotes is that the status quo is not sustainable. Exactly like you said. You can't be Secretary of State of the United States, or you can wear a skirt if you like also. She's, and I told her, and what happens if you get to the conclusion, and I think it's the real conclusion, that at least for the time being, the status quo is here to stay. Maybe you should, instead of undermine it, to improve it and to strengthen it. Now, I'll be sincere. I asked the question not as a question. You know, every one of us does this. You know, as it was quite a sort of declaration with a question mark at the end for the other persons in the audience to hear that. But to my surprise, her answer was, in the short term, you are right. In the long term, no, it's two states, etc., etc.
Well, I didn't want to tell her that in Jewish history the short term is 200 years. But yes, this is what we should do now to improve and sustain the status quo until an original solution can be devised. Thank you. Hi, I first have to apologize. David knows me that I'm here beyond my time. I'm a guy who wakes up 4 o'clock every morning and then I'm going to run and whatever, but when 7 o'clock comes, I'm asleep. So now I'm something like 2.5 hours after my time, and it's a bit too complicated for me, so I say whatever I say, and without any disrespect to the panel, I will leave because 4 o'clock I have to wake up, okay? For many years, I had admiration for Danny Dayan. Tonight, I know why. Okay? I mean, I admire his leadership and his charisma and his dedication and his devotion to the wrong causes. I mean, all of it, okay? I admire him for so many years. But tonight, I discovered one. I never knew that Danny has a kind of a Churchillian dimension in his personality. Okay? Twice, Churchill was asked about his moral attitude towards something. And he said, moral? I have a clear conscience. I never used it. Okay, and the second one is, every morning I wake up in the morning and I have a fight and a real battle between myself and my conscience, between myself and my morality. Thank God, up until today, I always won. Okay, and when I listen to Danny coming with all of this, and I know a reality out there that Danny is living on top of it. And he imposes the immorality of Israel through its very existence. I admire you, Mr. Churchill. Okay? I mean, it's the first one I ever met. Okay? Netanyahu is Churchill. I'm sorry? Netanyahu is the only Churchill. No, Netanyahu is married to Mrs. Churchill, okay? But this is something else. Now, I love, but I won't do it now, maybe some other time, to go through a serious, shall touch it very briefly, through a serious soul-searching, okay, about the role of the left in the last 5 decades. We are a bunch of assholes, okay? And I'll just give you assholes in France, come on, D, okay? Je sais pas. Okay, so... Oui, oui. Il y a une chanson de Georges Brassens, mais il y a un péché en second d'être le roi. Nous sommes les rois des cons, ok? Mais il y a un péché en second d'être le roi des cons, non? Ok, alors c'est le roi des cons. Pourquoi? And why? Just look at two individuals mentioned here. Ehud Barak, who came 15 years ago or 13 years ago, back from the ill-prepared, manipulative, patronizing a summit of Camp David and said there is no partner. You are the leader of the peace camp. When you say no partner, you introduced an era of no partnership. And then comes Shelly Yachimovich in the last elections, and all of a sudden the whole peace issue is does not exist. Now in Israel, as a maladi, left and right are being defined by the political issue, yes or no, Palestinian stuff, with not the morality of what does that mean to be a lefty, which is justice and equality and democracy, not just at the voting place, but democracy at home and democracy at the working place and democracy at the family and democracy at the society and democracy all over the place. And labor was never, and I was there for so many years, I can tell you, and when Charles speaks here about his present book and his, I'll tell you about my future one. It's about, I'm just finishing this book, it's about my soul searching about the Labour Party. Labour was never a left party. Right. Labour was always part of the right, but they never told us. So what the left did in the last couple of years was something even more problematic. I was running around the world, all over the world, and I told you, and you told others, and we all together broadcasted the message, listen, it's temporarily. Next week, Hillary is coming. Danny told her she's coming. We're going to solve the problem. Kerry is coming. Kerry is going. Mitchell is coming. Mitchell is going. For 50 years, everything is temporarily. The world believes it's temporarily, and at the same time, Danny made final decisions and final deeds. And I'm saying, forget about it, Danny, anymore. Now it's your turn.
round to the world and tell them all of your beautiful Torah. Tell them it's morale. Tell them that equality is great. Tell them that the Palestinian situation is the best ever. Tell them everything you want. I'm not there to defend you anymore. I'm going to run around the world and tell them it's final. Listen to Danny, because that's the true voice of Netanyahu. That's the true voice of Israeli deception. Now let's face it. And come the next thing. Within this deliberation of the world with Danny, they will ask him a question. You just quoted in a very cynical way, but a very sincere one, Newt Gingrich, that it is a faked, invented people. So how comes an invented people was there in 48? They were not in part of the conflict in 48. They were not part of the conflict in 67. It was the Arab armies, it was the Arab states, it was the regional thing, it was the post-colonial, it was every mistake done by whomever. But the Palestinians are new players. They never had a real declaration of war the same you defined, since you occupied them and they said, we don't want it anymore. So you are the aggressor. If you are the aggressor, so the moral historical argument you put here is false. Of course you don't agree. If you did agree, you would have become a member of J Street, of J Call, okay? And then people say it's a point of no return. Difficult it is, but it might be very easy. Danny, how many of the people in the occupied territories, West Bank, are governmental employees? 65%, 70%? People at the mikvahs and the teachers and the municipalities, etc. In order to begin the process, not to end the process, it's not the mathematics, and I mean, this kind of mathematics I write down, Mr. Teacher, there is no solution according to your formula. But as Mayu said, there is another field. Here is a new prime minister of Israel. He says, I have to go out of the territories because it's this and that or whatever it is. First, whomever is employed by the state, for you to know that from a year time from now, 12 months from today, no governmental employees at the West Bank. 6 months later, the buses are not subsidized anymore. Water you should buy wherever you buy water. By the way, in Gaza, the 6,000 people who were, 8,000 people who were living, a more 1.2 million people, consumed 25% of the water. Buy your water. Buy your electricity. Schools on you. Not a government. No subsidies. Nothing whatsoever. All of a sudden, the numbers will shrink to this kind of numbers that is still a beautiful number, and which will remind us the times in which it was before the point of no return. So there are ways to shrink the numbers. Without aggression, without policemen, without anything, just political balls. And the next and the last one. There is an illusion, David, by talking about a two-state solution. When we first came with this formula 30 years ago, 40 years ago, when we said then two-state solution, everybody had in mind, and it was feasible, that the two-state solution is the final arrangement. Because, thank God, we had Danny and Netanyahu. When you say today two-state solution, even if you believe in it, it's a temporary transitional thing. Nothing final there. They succeeded. And therefore, you have to ask yourself, okay, tomorrow we have the just partition of the land. What's beyond it? And the what's beyond it, whether you like it or not, will be some kind one day of a regional arrangement. That's the whole idea of the Arab Initiative that initiated for the first time since 47 by the Arab side, never officially or non-officially responded by Israeli governments. A shame. A government which runs around the world and saying, we are the love-seeking people of the world. Rachmanim bnei Rachmanim, Oseh Shalom bimromav, and everybody singing at the consistoire and the krif, Oseh Shalom bimromav, quand le premier ministre arrive. Okay? No peace and no nothing. We did not respond for the first, most interesting,
initiative of the Arab side. But once we shall explore it, and let's assume there is something there, and the time now is much better because of the liberal voices all of the sudden appearing in the other side, which were not there when tyranny only was the regime. If this will be explored, all of the sudden the two states is just an interim solution toward a suprastructure. Whatever will it be? Will it be a regional union? Will it be a common market? Will it be a federation, co-federation? I don't know. But the two states will be just the beginning of something which is bigger than the just two sides between the Jordan and the Mediterranean. You think it's impossible? Danny was here about utopias. Let me have my own utopia. Only did I tell you 100 years ago that Europe, the bloodiest continent ever, 1,000 years of bloodshed. Everybody killed everybody else, not Jews only. Christians and Christians, Christians and non-Christians, Jews and Muslims, and everybody killed everybody else. Only did I tell you 100 years ago that Europe will be a continent with no military thirst anymore. You'll tell me, Avram, it's a no-go. If I would have told you 70 years ago that Merkel and Hollande or Merkel and Sarkozy will cooperate about something, forget about everything, you will say no go. Spain and Netherlands? England? Well, forget about England, okay? Okay? I mean, you would say no go. We are now 70 years after the worst of the wars. And Europe is almost a biblical model. Prophetic one. As difficult as it is, with all the challenges that Europe is facing nowadays. So if it was possible in a place that for more than a millennium had so many unnecessary wars and battles and haters and bloodsheds, isn't it possible in a region like this that the conflict is so young? Of course it's possible. And therefore, just to wake up in the morning and feel, oh, we are the best we do because we do our utmost, or at least we do less mistakes than the other side, and therefore we are happy with our conscience, it's a hypocritic policy and a very dangerous one. Politics is about concrete, measurable solutions. And up until now, at least the most powerful prime minister since Ben-Gurion, which is Benjamin Netanyahu, who had an unequivocal power in the last term, has an omnipower this term, didn't move a millimeter. And the place in history of this prime minister, a lot of it depends, not just about his courage, but how much he is afraid of Danny Dayan. So far, Danny Dayan frightens Prime Minister Netanyahu. And therefore, Danny Dayan is the real ruler of Israel. And therefore, the question is it possible to create a counterbalance to the diabolic power of the settlements to make the Israeli government and the Israeli prime minister develop a different strategy? Instead of being traumatized by the demons of the settlers, to trust the hope of Israel. And I think this is the real dilemma. Thank you very much. Je voudrais intervenir. Je pense que... Et je préfère le faire en français, ça m'est beaucoup plus facile. Et je sais que Charles traduira à Dany. Trop souvent, quand on voit... ou plutôt, quand on voit de l'extérieur tout ce qui se passe ici depuis 30 ou 40 ans, on a l'impression que, à partir de vous êtes tellement ici, vous vivez tellement dans une espèce de cocotte minute, que vous ne vous rendez plus tellement compte de ce qui se passe. Vous ne contrôlez plus les processus. Vous les subissez, vous réagissez à un événement, à une déclaration, mais personne ne contrôle le processus. L'avantage qu'on peut avoir pour nous, ou pour ceux d'entre nous qui sommes des connaisseurs de cette situation,
du fait que nous la voyons de l'extérieur, on peut peut-être avoir une perspective beaucoup plus objective des processus. Et c'est pour ça que quand j'ai posé la question « Quelle est votre vision dans 5 ans ?», j'avais bien cet objectif-là, d'essayer de sortir de la boîte, de sortir de la cocotte minute et d'essayer de voir vers où on va, parce qu'on y va, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et que vous décidiez de faire quelque chose ou que vous ne décidiez pas de faire quelque chose, vous iriez malgré vous. Et quels que soient les dirigeants de ce pays. Il y a des choses qui se passent et qui se passeront inéluctablement. Elles sont simples. Trop souvent ici, les dirigeants israéliens de droite et de gauche décident tout seuls de l'avenir des autres. Ils discutent entre eux. Ils définissent une coalition parce que le système électoral nécessite de bâtir des coalitions. Une coalition, on s'arrange les uns les autres et puis on a décidé et puis on est bloqué, on ne peut plus rien faire. Kissinger avait dit, vous le savez, la fameuse phrase qu'Israël n'a pas de politique étrangère. C'est peut-être vrai aussi pour d'autres pays, mais ici c'est plus vrai qu'ailleurs. Vous décidez des autres. On a décidé, Gush Etzion, ça fait partie du consensus. Maladoumé, c'est le consensus. Mais le consensus de qui et avec qui? Entre vous. Il existe ici 3,5 millions de personnes, on les a rencontrées, on a vu Saïm Fayad, qui n'ont pas cette vision. Ils ne font pas partie de ce consensus. Et David Dayan, quelles que soient les aspirations que toi, et je comprends tes aspirations pour Eretz Israël. C'est vrai que le Tanakh, il est né ici en Yehuda Veshomron et pas à Eilat. C'est vrai. Les archéologues peuvent le montrer, peu importe l'histoire. La réalité aujourd'hui sur la Terre, c'est qu'il y a 3,5 millions de personnes qui n'acceptent pas ça. Ils ne font pas partie de ton consensus. Et que tu le veuilles ou non, tu ne pourras pas les déplacer et tu pourras leur donner des droits. Ils ne s'en suffiront pas. Ce n'est pas ça ce qu'ils veulent. On est au 21e siècle. Réveillez-vous. Alors, il y a des processus inéluctables. Je vais vous les dire, les processus inéluctables. Premier processus inéluctable, ils veulent leur indépendance. Deuxième processus inéluctable, les dirigeants du monde qui n'ont pas connu la Shoah, qui n'ont pas été contemporains de la création d'Israël. Eux, Israël est un pays comme un autre. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'intéressent à vous différemment du Porto Rico ou du Costa Rica ou de l'Australie? C'est un État. Effectivement, il y a les racines, l'histoire, on le sait, mais ça va devenir un État comme un autre. Et vous croyez qu'ils vont accepter longtemps que 3,5 millions de personnes vivent ici sans avoir le droit de voter? Vous croyez que les opinions publiques dans le monde, en Europe et aux États-Unis accepteront longtemps de voir cette différence de statut dans les populations? Non. One man, one vote. One man, one vote, c'est fini le sionisme. Tous ici, tous qui sommes venus ici, nous sommes attachés à Israël autant que vous. Et on n'acceptera pas de voir Israël disparaître. Comme vous, l'Israël auquel on est attaché, auquel on a cru, auquel on a des familles, on est venu, on reviendra, on repartira. Et vous savez, le peuple juif, il revient, il y a des allers-retours constamment, mais il est attaché à cette terre. Et cette vision-là, on veut un État, simplement sur une parcelle de cette terre, c'était ça le sens du sionisme. Il faut un sionisme pragmatique. Alors, c'est dommage qu'Avrom soit parti, mais Charles, quand il dit « c'est fini, c'est trop tard », c'est pas vrai. Pourquoi c'est trop tard? Rien n'est inéluctable si on décide de trancher. Le problème, c'est pas le peuple survivra. Tu te rappelles, Dani, pendant la sortie de Gaza, combien de colons qui habitaient là-bas ont cru que Kadosh Baruch Hu arriverait pour empêcher l'armée de les sortir de là-bas? Il se passe ici un processus qui est inévitable. Il faudra trancher, ça sera dur. Toutes les solutions sont dures. Mais la moins mauvaise, c'est la partition. Parce que toutes les autres, c'est pire. Et tu le sais bien. Je veux dire deux mots. Ce que la gauche n'a jamais compris ici, et si vous rencontrez des gens, des fondateurs de Shalom Arshav, comme Zeb Sternel, ils le disent. La gauche, Avrom l'a confirmé, n'a pas compris qu'elle avait affaire depuis 1967 à un mouvement révolutionnaire. Le sionisme religieux est fondamentalement messianique. La fin justifie les moyens. Ils se sont battus pour le territoire. Dani a passé des années sur une caravane, sur une colline. Et ils se battront pour y rester.
Alors oui, un jour, quelqu'un devra comprendre, il faut couper. La communauté internationale change, tout le monde change. La Shoah perd de son importance. Oui. Mais encore une fois, la gauche, l'idée aujourd'hui d'une solution à deux États, géographiquement, c'est quasiment impossible. Le public israélien, aujourd'hui, en rêve. Ils sont prêts à la paix. Attendez, ils nous foutent la paix, on leur fout la paix. C'est à peu près ça, la paix dont auquel l'Israélien moyen réfléchit. On peut leur donner, il faut que les colons restent là-bas, peut-être pas tous, on a une situation bancale. Je vous répète ici, et je vois souvent également les amis palestiniens, il n'y aura pas, aucun dirigeant palestinien ne peut accepter une solution d'un État qui n'est pas 90-95%. Sur la Cisjordanie, les accords sont faciles à faire. Sauf que, bien entendu, Netanyahou refuse de négocier sur la base de la frontière de 67. Donc la négociation ne peut pas démarrer. Et c'est pour ça que ne retenez pas votre respiration en attendant le succès de la mission du secrétaire d'État Kerry, hein, parce que vous allez vous étrangler. Les Palestiniens ne renonceront pas à Jérusalem-Est et au Haram el-Sharif. Aujourd'hui, l'immense majorité du public israélien et les chiffres qu'on a dans les sondages, personne n'est prêt, aucun Israélien n'est prêt. Il y a peut-être 5, 6, 7% sont prêts à accepter une souveraineté islamique palestinienne totale sur le Haram el-Sharif, sur le mont du Temple. Le conflit a démarré ici, autour de Jérusalem-Est. La Cisjordanie, les accords... il est possible encore, encore une fois, vous avez vu Shaul Ariel, c'est jouable. Mais la gauche israélienne ne comprend pas qu'elle a affaire à un mouvement où les extrêmes, comme Yigal Amir, Baruch Goldstein, sont prêts à tout pour empêcher. Ce n'est pas la majorité, le mouvement de Gush Emunim les a condamnés, mais ils sont là. Et pour eux, la fin justifie les moyens. Ils ont infiltré tous les niveaux de l'administration israélienne. Quand trois caravanes s'installent sur une colline demain ou la semaine prochaine, je vous garantis, il y aura l'électricité, l'eau et des soldats pour les garder. Et même si le gouvernement n'a pas donné le feu vert. Alors si on ne comprend pas, si la gauche ne comprend pas qu'elle a en face d'elle effectivement un mouvement révolutionnaire qui se bat, pour qui les notions d'éthique et de morale c'est secondaire, parce que ce qui compte d'abord c'est leur objectif à eux. Et à partir de là, où va-t-on, la gauche? D'abord, on secoue le parti travailliste où vous avez effectivement des gens qui sont pour une solution avec les Palestiniens. D'ailleurs, la plupart n'ont pas été élus sur la liste travailliste à la dernière Knesset. Vous avez Meretz qui en a fait son combat, qui a doublé sa représentation au Parlement de 3 à 6 mandats. Mais c'est tout ce qui reste. Alors on peut effectivement rêver, répéter à Dany... ça marchera pas, il y aura... Écoutez, j'en sais rien, moi, si ça marchera pas. Peut-être qu'ils ont raison, j'en sais rien. Peut-être qu'effectivement, la communauté internationale, un jour, dira stop. Mais est-ce que nous, la gauche, on doit penser à rêver, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président des États-Unis a un nouveau mandat. Cette fois, il n'a pas la pression de AIPAC, il n'a pas le lobby sur le dos. Il peut imposer la paix, il n'imposera rien du tout. Quand Obama est venu ici... Et il s'est promené avec Netanyahou avec la même cravate bleue que Netanyahou. Il a changé de cravate quand il est allé à Ramallah quand même. Et il a dit à Abou Mazen, à Mahmoud Abbas, arrêtez de réclamer l'arrêt de la colonisation, vous l'aurez pas. Demandez à... Parlez-en dans les négociations, retournez à la table des négociations. En fait, je vous le dis, la communauté internationale sait parfaitement que la solution à deux États aujourd'hui est quasiment impossible. Tout le monde le sait. À l'époque, quand le quartet a sorti la fameuse feuille de route, qui signifiait, un, les Palestiniens arrêtent la violence, ils ont arrêté, deux, les Israéliens arrêtent la colonisation, ils n'ont pas arrêté. J'ai rencontré Miguel Moratinos, qui était un copain, qui était ministre des Affaires étrangères espagnol. Je lui ai dit, Miguel, t'attends, ta feuille de route, c'est la route qui mène aux colonies, tu le sais très bien. Oui, Charles, je sais, mais nous, les diplomates, nous avons besoin d'un papier. Si la communauté internationale, si même les Palestiniens, ou un Quai d'Orsay ou un département d'État annonce la solution à deux États est aujourd'hui impossible, il faut trouver autre chose. Ça veut dire quoi? Un, le processus de paix est mort.
Si le processus de paix est mort, ça veut dire que les traités de paix avec Israël et entre Israël et la Jordanie, Israël et l'Égypte sont remis en question parce qu'il est inscrit en toute lettre qu'Israël doit négocier avec les Palestiniens. Si Abbas effectivement fait le geste, annonce, la paix est impossible. Entre le moment où on a commencé Oslo et aujourd'hui, la population israélienne en Cisjordanie a triplé, quadruplé. Aujourd'hui, on ne peut plus tracer l'État palestinien, c'est impossible. Eh ben, on arrête, eh ben, ça veut dire un changement régional. Entre parenthèses, la Ligue arabe aussi est très inquiète qu'on avance. C'est la raison pour laquelle ils ont amené leur nouvelle proposition qui ne veut strictement rien dire, simplement ça donne la possibilité à la communauté internationale de continuer à faire joujou sur le Proche-Orient. Tout le monde ici veut la poignée de main Abou Mazen Netanyahou, parce que ça veut dire que, ouf, on n'a pas la grande crise au Proche-Orient. Un Proche-Orient qui est en plein printemps arabe. Un Proche-Orient où l'islam radical est en train de se développer partout. Et les frères musulmans en Égypte, c'est pas vraiment encore l'islam radical. Il y a bien pire, croyez-moi, je vais souvent en Égypte. On est au bord d'une énorme crise. Où va-t-elle mener? Je n'en sais rien. Mais les efforts actuels de la communauté internationale, c'est d'essayer de faire semblant qu'on négocie. Mais sur le terrain, Netanyahou, alors, Avroum, qui n'est pas là, a dit que c'était Dani qui dirigeait et qui faisait peur à Netanyahou. Écoutez, relisez les bouquins de Netanyahou, il y en a trois, il les a réécrits, il y en a en hébreu, il y en a en anglais, il y a une version française, je crois. Netanyahou ne veut pas d'un État palestinien tel qu'il pourrait être accepté par l'OLP. Non. Il n'y aura pas de Jérusalem, pas de Haram el-Sharif, mont du Temple, et puis pas sur la base de la frontière de 67. Plus cette reconnaissance absurde de la judaïté de l'État, comme si on avait un État musulman ici. Donc Netanyahou ne négociera pas sur ces bases-là. Et Netanyahou fait partie à droite, en naviguant, en lâchant un peu, lorsqu'il a donné une partie de la ville de Hébron à Arafat. Il a ensuite donné une interview, il a rencontré des colons, on a l'image, il a expliqué « je préfère donner 2% que 100% et d'ailleurs j'ai planté Oslo ». Il l'explique dans une vidéo que vous trouvez sur YouTube. Netanyahou n'avancera pas. Netanyahou fait partie de ce mouvement révolutionnaire pour qui c'est la terre d'Israël, il faut trouver une solution pour les Arabes d'Eretz Israël. Ça peut être l'autonomie élargie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être comme Sharon avait cette idée. On leur donne 40 à 60% pour solde de tout compte, c'était l'idée de Sharon. Mais ça voulait dire donner du terrain et des droits sur ces terrains, sur ce territoire aux Palestiniens. Et du coup, les colons, à cause de Gaza, ont manifesté contre lui et ont totalement rejeté sa proposition. Donc, il faut comprendre. Alors, on peut rêver, encore une fois, de mille et une choses. Il va arriver ceci, il va arriver cela. Mais fondamentalement, il faut changer notre manière, à gauche, de penser et de voir. Est-ce qu'il faut proposer une confédération? Est-ce qu'il faut amener de nouvelles idées? Mais en sachant qu'en face, ils se battront contre, comme ils se sont toujours battus. Politiquement et sur le terrain, parfois avec la violence. Je ne voudrais pas rentrer dans le débat qui est presque pour moi, dans le débat qui est presque théologique sur les choses irréversibles ou pas irréversibles. Je veux dire, on peut avoir son opinion. Moi, je pense qu'elles sont. Je pense qu'on va dans une très mauvaise direction, irréversible. J'en sais rien, je veux dire, Abraham Bourg a donné une vision extrêmement optimiste des choses. Notre ami Charles a une vision de l'irréversibilité, qui rejoint étonnamment d'ailleurs celle de Diane, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, bien sûr. Je vais vous donner deux sentiments que j'ai, qui sont liés plutôt à mon expérience personnelle. Comme journaliste, quand je travaillais encore pour l'AFP, j'ai eu le bonheur ou la tristesse, enfin, j'ai couvert le retrait de Gaza et le démantèlement des colonies de Gaza.
Et c'est vrai, hein, démanteler 8 000, je veux dire, évacuer 8 000 personnes, c'est pas en évacuer 150 000, bien entendu. Ceci dit, moi, ce qui m'avait frappé dans cette affaire, c'est justement le désarroi du mouvement de la colonisation. C'est-à-dire, ils étaient là, ils attendaient. Alors certains étaient vraiment, je pourrais dire, un peu frappés, quoi. Ils attendaient vraiment une intervention divine. J'ai vu des gens dans une implantation. Je leur disais, mais demain, vous allez être évacués. Ils me regardaient comme si j'étais fou, quoi. Et franchement, moi, j'étais extrêmement angoissé par ça, parce que j'avais l'impression que ça rejoignait une longue tradition de l'histoire juive. On ne veut pas voir la réalité en face, et dans des situations qui ont été encore beaucoup plus tragiques dans notre passé. Mais ce qui me frappait, c'est que c'est en même temps la force de leur conviction et en même temps leur fragilité. Parce que, regardez, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire de Gaza? C'est qu'ils attendaient, comme Napoléon attendait Grouchy à Waterloo, ils attendaient des dizaines de milliers de juifs orthodoxes à papillotes qui viendraient manifester. Ils ne sont pas venus. La personnalité qui a joué le plus grand rôle, à mon avis, pour permettre le retrait de Gaza, de la bande de Gaza, c'est un personnage pour lequel qui est très très compliqué, mais c'est Ovadia Yosef. Parce que les ultra-orthodoxes qui s'étaient mobilisés, ils étaient 250 000 pour manifester contre la Cour suprême, on les a pas vus à ce moment. Et c'est cette fracture dans cette alliance qui a permis ça. Et ce que je vois dans ce blog, dans ce que tu appelles le mysticisme et la droite, etc., c'est vrai. Mais c'est en même temps une alliance extrêmement problématique. Il y a des contradictions internes extrêmement fortes. Je ne veux pas rentrer dans un autre débat, mais à mon avis, il n'est pas tout à fait éloigné. C'est la place tout à fait de la religion et des ultra-orthodoxes dans la société israélienne. Effectivement, à un moment donné, la gauche, surtout Shimon Peres, s'il est de gauche, mais enfin, disons pour le débat, a mis des espoirs faux dans ces gens-là, en pensant, puisque de leur tradition anti-étatique, et on les a vus ensuite rejoindre le bloc de droite. Mais on voit en même temps que c'est toute leur relation est extrêmement problématique. Et il y a, je veux quand même rappeler une chose qui s'est passée il y a 2 ans en Israël. Moi, je sens probablement profondément qu'elle allait dans le sens contraire. C'était le mouvement qu'on a vu dans les rues de Tel Aviv, dans les autres villes. Je veux dire, ce n'était pas un mouvement politique à proprement dit, et ça a été également sa faiblesse. Mais il incarnait profondément des idées qui ne sont pas celles de la droite. Je veux dire, quand les gens disaient « le peuple veut la justice sociale », ils ne criaient pas « le peuple juif veut la justice sociale ». Le peuple, ça veut dire tous les gens, ça veut dire nous les Israéliens. Maintenant, la deuxième point que je voudrais soulever, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le domaine des solutions, on est dans le domaine des paramètres. Je vais vous donner un exemple, je veux dire, 2 débats qui ont eu lieu et un débat qui aurait dû avoir lieu. Il y a un débat très très fort actuellement, on a l'impression ici qu'on est sur notre planète, parce que le grand débat qui a lieu en Israël ces 2 dernières semaines, c'était autour des ultra-orthodoxes. C'était ça qui frappait, je veux dire, c'est là-dessus que le ministre des Finances est monté, et c'est la grande campagne pour qu'ils fassent leurs services militaires, pour qu'ils travaillent, etc., qui à mon avis, grosso modo, assez justifié. Mais, je veux dire, au moment même, avec d'ailleurs des phrases très 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 ambivalentes et très ambiguës, où on a des gens qui les traitent de parasites, même s'ils le regrettent ensuite. Mais moi je trouve que bon, il y a eu ce débat, c'est un débat profond, et qui porte sur beaucoup de questions, même s'il est mal posé. Mais je penserais à une chose qui n'a pas fait débat, malheureusement, c'est un petit article que le Haaretz a sorti, et qui était dans une revue militaire du rabbinat. Et dans cette revue militaire, sur un truc complètement qui paraît secondaire, mais c'est comme ça que marche la pensée talmudique, parce qu'on prend un petit acte symbolique et puis on en fait une généralité, c'était sur la question des mezouzot dans les camps militaires. Et là-dessus, il y avait un avis qui était exprimé, qui disait, eh bien, fondamentalement, dans un État juif, des non-juifs, des goyim, ne peuvent pas avoir les mêmes droits que nous.
Ça, c'est quelque chose qui a été publié dans une revue officielle du rabbinat. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est la réaction. Quand le Haaretz a publié ça, évidemment, tout le monde était gêné. Et l'ancien grand rabbin, le grand aumônier de l'armée, comme on dit, a fait une déclaration tellement typique, on n'aurait pas dû écrire ça. Il n'a pas dit, on ne devrait pas penser ça. On ne devrait pas écrire ça. Et effectivement, ça a été enlevé. Après, mais la pensée est toujours là, et je pense que ça rejoint quelque chose de très profond et qui va au-delà du conflit entre juifs et palestiniens, entre israéliens, juifs et israéliens et palestiniens. C'est vraiment toute la pensée, toute l'attitude vis-à-vis de l'autre dans un état juif, et c'est ça la question fondamentale. C'est-à-dire que, je veux dire, j'aime bien donner cet exemple. La France, c'est sortir de la mentalité que nous sommes des opprimés. Nous ne sommes pas des opprimés dans cette société. Nous sommes de l'autre côté. Nous sommes un État et nous sommes oppresseurs, comme beaucoup d'États, mais particulièrement dans une situation de colonisation. Or, je me rappelle aussi une fois, il y a très longtemps, parce que vraiment j'aime pas trop aller, j'étais à Hébron, dans la communauté juive de Hébron. Ce qui est parmi la colonisation juive de Hébron, ce qui me frappait dans cette colonisation, c'est le discours qu'ils avaient. Le discours faisait toujours référence au massacre et de 1929. C'est-à-dire que vous avez, la France a colonisé au nom des droits de l'homme. L'Angleterre a colonisé, je ne sais pas, au nom de la civilisation. Nous colonisons au nom du fait que nous sommes les opprimés. C'est-à-dire, non seulement, alors, les autres, quand ils se combattent contre nous, eh bien, ils combattent en fait, et Dayan l'a dit d'une façon très, très élégante, contre le bien, contre la morale. Et tant qu'on aura cette vision, eh bien, je ne sais pas si quelque chose changera dans ce pays. Tout d'abord, à vous trois, plus particulièrement à M. Dayan, je dois dire. I've listened to you, and I understand, your moral point of view and everything. However, don't you think that there is going to be a moment that the Israeli population is going to be sick and tired of paying taxes to sustain your population in the territories? That's one. And would you ever consider the possibility that you might become a minority in a Palestinian state? That would be the second thing. And the third thing, your population is not necessarily made only of ultra-religious people that have a reason to stay. They're just there because they were given very cheap accommodation, or maybe some subsidies. So, would you be able? Can you respond to these three remarks, please? Yes, sure. regarding the first question, the sick and tired, the data your question is based upon is not wrong. Is wrong. And it also includes the third question. Today, I'm not talking about the 80s. In the 80s, when a large number of settlements was established and a large infrastructure projects were made. Yes, there was a larger investment in Judea and Samaria than in other parts. Today, that's not the situation. We have no subsidies, no benefits. Oh. Look, you can, I'm sorry, there is one. There is public transportation is subsidized because the government prefers us to go by bus and not by private cars because of security considerations. And that's the only subsidy we get. For instance, look. We can differ on opinions. We cannot differ on facts. I know how many taxes I pay, okay? So I know, for instance, that the person, I am not against that, in Kiryat Shmone gets a 25% rebate in his taxes. The person in Mitzpeh Ramon gets 25%, in other areas of the country 13%, and there is no one place in Judea and Samaria which you get any discount in your taxes. 0% in all the settlements. But that's okay with me, I'm not against that. Again, your question is very 80s.
In the 80s, the situation was different. Today, it does not. We are. I regret the almost. I wouldn't say anti-Semitic, but very not politically correct a remark by Avrum about that. We pay more than our share in taxes compared to the general population. So look. That's not the case. The second question, the middle question. By the way, yes, there are people that came to live in Judea and Samaria for different reasons. By the way, your correlation with the religiosity is not exact. I'm a completely secular person, and I left Tel Aviv, which I love, a city I love and enjoy every minute of living in Tel Aviv, but I left during the first Intifada, the very comfortable life in Tel Aviv, to Judea and Samaria, purely for ideological reasons. Nevertheless, I am. It's very difficult to catch me making a mitzvah. I am completely secular. So this correlation is not exact, at least to say the least. I don't remember what's the middle question. Would you stay? As I said, I think it's a theoretical question because there is not going to be a two-state solution. But no doubt that I think that whoever wants to stay should be allowed to stay. I think that the capacity, the capability of a Palestinian state to assimilate, to include an ethnic minority is one of the preconditions to its existence. I mean, if they are not capable to do that without killing and slaughtering them, then they are not capable to handle the state. For me personally, no. I made Aliyah from Argentina in order to live both in Eretz Israel and in Medinat Israel, in the land of Israel and in the state of Israel. If it will not be part of the state of Israel, I will live. Although, as I said, I don't think that will happen. I'm talking to Mr. Dayan. All the people that are here are Zionists. And if we're here, it's because we love Israel. I'm sure. But it's not the kind of Israel that you are building, that you want to have. Because we Democrats, and we think that what you told us is anything but democratic. And the word moral, we don't have the same definition of moral, and that's more than facts. We think it's absolutely immoral and not democratic. What is worse is that feeling is growing in Europe amongst Jews. And you might say, I don't care. The important thing is what I do in my country. Even worse, we have many friends. Israel still has many friends amongst the non-Jews, from government to common people. But they don't understand what is happening. They don't understand your morality, and they don't understand what you call democracy. And you're going to lose your friends. You are going to be lonely. And we Jews have been lonely all our history. You came to this country to be a normal country, like others, and not to feel lonely, and not to be an exception. And you're exactly doing the contrary to what you want to do. And you could live alone and have 3 or 6 votes in the UN in favor of you, some islands in the Pacific. And you could believe that you are right and all the rest is wrong. It may be anti-Semitic, but I'm telling you, we love this country. We can't love people that have your opinions. You have a complete right not to love me, and vice versa, by the way. And that's okay. That's a thing. It's your prerogative. Now,
you assumed I would say that I don't care what you think. The matter of fact is I do care a lot. I do care a lot what you think and what the European jury thinks and what the European countries' leaders think is a very serious consideration. I'm more than willing to listen to your opinion as to other European Jews that have different opinions and American Jews that have different opinions and Gentiles that have different opinions. However, make no mistake, after we heard that, the decision is ours and ours only. Yes. So let me treat, you know, I believe that you understood. Well, if no, I will tell you that I am in Europe and in the United States enough times a year in order to not be surprised by your things. You think you said. I hear them from Jews. By the way, I hear also the complete opposite things from other Jews. I hear it from Gentiles and complete opposite thing from Gentiles. When I make the synthesis of all the things I know and believe and I hear, I make my decision and I made very clear what my decision is. Whether you like it or not, believe me sincerely, I would like you to like my position, but you know, I will go on living even if you don't. The most important thing that maybe I didn't say is that regarding the two-state solution, is that I remember that I started to say, I said in 2 hours ago that the two-state solution has two problems. And I said only one. And the one is that first it is unachievable. You can't achieve this solution. By the way, the second one, the other small problem that exists with the two-state solution is that it's not a solution, that it's not solved the problem. A two-state, a Palestinian state will be only a prelude for a new war. But it's too late. One state not, at one state no, not. No, I didn't say, I made very clear that two states and one state are not options. I said that we have to think out of the box of different regional and functional solutions. I made a possible one, but there are others. I didn't say that the status quo is the final status. I didn't say that. The status quo is the best we can do until a final status solution arises. And that final status solution will not be two states, neither one state. I'm not in favor of one state. I know that my friend Yuri, for instance, I described the possibility of a regional accommodation that includes Israel and Jordan/Palestine and join. That is one of the things that can be possible. A one state solution will not happen, a two state solution will not happen. It's very nice to cheat ourselves. Okay, I'm trying to be realistic. You know the argument that I have with my friend Shaul. It's okay for you, my friend. It doesn't offend. No problem. It doesn't. Your rating goes down if I go. Now we have the prime minister. Is it I don't reserve a tshuva. That he described our movement as messianic. No. Maybe there are some sectors in our movement that are messianic. But believe me, I think that today we are the group, the political group in the Middle East, most realistic with its feet on the ground, with that assesses the reality and acts as it believes it proper according to our beliefs and ideology. Nothing theological here. That. Fundamentally, I found much more theology and mystic in El Gondor's belief in Abu Mazen than in our behavior. Why? Okay. Well, how long you can stay? One more question. Just one. These two. This is happy. One more. I can't. Both of them. And, en venant ici. Non, en anglais ou en français? En français.
Chalibapo. En venant ici, j'étais très pessimiste. Grâce à Charles, je suis arrivé au désespoir. Et c'est ce qui me donne l'énergie de dire, merde, il faut se retrousser les manches. Ne pas attendre des solutions. J'ai entendu plusieurs personnes ici dire qu'il faut inventer. Alors, peut-être qu'il ne faut pas parler de deux États, deux entités, restons un peu flous. Mais remuons-nous, bordel. Voilà. Not in separate states, but all together. The second thing, you told us it is impossible. But at the same time, you're making it more and more impossible because you are the one who making the implantations. So my question is it a problem of realism or are you really speaking to us frankly? Yeah. Okay, the first question, yes, as long as we have a state of war, we need protection. By the way, not only need with protection, the people in Sderot need protection and the people in the border of with Lebanon and now maybe also the people in the border with Syria and Egypt will need protection. Yes, as long, what I said, living together is after a reconciliation, an agreement is reached. Now I will tell you something more. Yes, I believe that a just resolution to the conflict will reflect and should reflect, not only will, but should reflect the fact that the Arabs, including the Palestinians, of course, attacked us and lost the war. Yes, it's right for the solution to reflect that fact, because otherwise it's a price for the aggressor. Now, I understood that the two-state solution does not exist, not now. I understood it 45 years ago. 45 years ago, I was 11, so when the Six-Day War broke, so I can't say that they explained it to me as rationally as I do now. But of course, that 30 years, I firmly believe that I am convinced that the two-state solution never existed. By the way, I'm not saying that now is impossible. It never existed. The two-state solution is a Fata Morgana. A mirage in the desert that, you know, when you're thirsty and desperate, you see a well of water and you think, that's my salvation, here is a well of water, clean water, potable water. But the moment you approach it, you see it's hot air. Because I started with that point, that was long time ago. It now seems that a year ago, but it was 2 hours ago that I said that between two national movements that have genuine and sincere historical sentiments, there is no point on convergence. So I will finish with a somewhat personal remark. My formative ideological or political experience was exactly that, what I referred now, when I was 11 years old in Buenos Aires, thousands of kilometers from here, but in a very Zionist and Jewish, not in the religious sense, but very Jewish involved home. And I remember perfectly the anguish that Israel is going to be attacked and gone. And then, of course, the relief of the victory in the Six-Day War, thanks to the preemptive strike to the airports in Egypt and Syria. Now, that moment, as far as I can remind now, that moment is the moment I decided that I will dedicate my life, that Israel is never again in a situation like that. And I think that by being in Judea and Samaria, by preventing the fact that the Palestinian state is in the hills of Judea and Samaria, overlooking Tel Aviv and Jerusalem and Ben Gurion Airport, etc., etc., and fulfilling my historical rights, is the right thing to do. Now, I will tell you, you know, from my home in Maale Shomron, I have, Charles saw it, I have two windows.
one window that looks at Tel Aviv. I will see, you know, the Azrieli Towers, that today is the icon of Tel Aviv, like in the palm of my hands. And on the other, that's to the west. And to the north, I see a stone well, an old stone well, 3,000 years old, an archaeological site, in which our forefathers pressed grapes for wine 3,000 years ago. So we call them the historical window and the strategic window. Yes, those are the two reasons combined why I left the convenience of Tel Aviv to live for 2 years in a modular house, in a caravan that with water, with rain entering it, because I think that is the right thing to do. That should be done. And from the first moment, I understood that I'm not preventing the two-state solution because the two-state solution is impossible ideological. I will you more than that. The persons that believe that a border, a line, a demarcation line, the fence, a 10 meters high wall will solve the conflict don't understand that a wall that like that or any demarcation line does not stop two things. If it would stop only one of them, it would be okay. But it doesn't stop missiles from one side and dreams for the other, on the other hand. If a border could stop missiles but not dreams, okay, so they dream to return to Jaffa, to Yafo or to Beersheba, but they cannot do that because of the border. If it would stop dreams, that's okay. If there are no dreams, there are no missiles. But a wall or a fence or a border doesn't stop neither dreams nor missiles. And therefore, in our situation, will be completely useless. I'll always ask the American diplomats that I meet, and I meet a lot of American and European diplomats and ministers and officials, for God's sake, what is your strategy for the day after Palestine is established? What is your strategy? Let's be sincere. We keep Mahmoud Abbas in power today. Israel keeps Mahmoud Abbas in power today. The moment we leave the West Bank, Judea and Samaria, it will the clock to the political life of the end of the political life of Mahmoud Abbas and the biological life of Mahmoud Abbas and his colleagues will start to tick. The Hamas will inevitably take it. The Hamas won in the parliamentary elections, won in Gaza, won in Judea and Samaria, and won in East Jerusalem. It's inevitable. In Gaza, they took power by force. Either by what? Do you really believe that NATO forces will be sent to Palestine in order to prevent the Hamas from taking power? That's the democratic Palestine that you envision, that French soldiers will prevent the Hamas to win an election? And the moment they win an election, it's finished. It doesn't matter that the agreement is finished. To elect it's democracy to elect. Yes, but I will not commit suicide in sake of the Palestinian democracy. Yes, but you be so you and that's the no, it's really okay. Seriously, not just you. Just I want just to conclude maintenant. Marc, j'ai demandé à David de prendre la parole pour conclusion, pour m'adresser à vous. Parce que je suis dans une position personnelle, humaine et émotionnelle un peu intermédiaire entre vous qui venez d'Europe et tous les intervenants qui vivent ici en Israël, puisque je suis un peu entre les deux. Et je vous comprends. Vous m'entendez? Je ne connais pas. Je suis bâtard, excuse-moi, c'est moi. Alors Marc fait partie des fondateurs de la paix maintenant en France. Il est aujourd'hui, vit en moitié du temps en Israël et à moitié pour question professionnelle, moitié du temps en Europe, en France. Et évidemment, l'initiative de Jekol aussi au départ. Donc il est... Je vous comprends parce que je viens de votre réalité, mais je ne suis plus dans la même réalité. Et donc j'ai le souci de faire en sorte de vous aider à sortir de là avec des conclusions aussi sur votre responsabilité, sur ce que vous pourrez faire, et éventuellement, compte tenu des faits que vous avez
pris en compte de l'information que vous avez reçue et des émotions que vous avez reçues, en particulier ce soir, dans quelle mesure votre voyage peut infléchir votre action, ce pourquoi vous êtes engagé. Dans quelle mesure ça peut l'infléchir pour la rendre justement plus efficace, parce que vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu non seulement pour vous informer, mais pour vous aider vous-même à mieux agir dans le sens de vos principes qui vous ont guidé ici. Et je trouve particulièrement symptomatique le fait qu'à la fin de cette réunion, vous avez adressé toutes vos questions aux représentants de Yesha, parce que c'est votre domaine, c'est le territoire sur lequel vous êtes à l'aise, parce que c'est celui dans lequel vous évoluez intellectuellement, alors que les deux autres personnes qui sont là, quelque part, vous ont interpellé sur vos positions politiques, sur vos positions intellectuelles, sur vos positions idéologiques. Elles vous ont interpellé. Et là, vous n'avez pas de réponse. Et je pense que... Je pense... Si, parce qu'elles vous ont interpellé sur le manque d'efficacité. Mark, I'm sorry. We are respecting... We got four people... Bon, je pense que le principe, c'est la tolérance et c'est d'avoir aussi un peu de patience. Vous avez écouté un Argentin qui vous a parlé pendant trois quarts d'heure pour vous répéter la même chose. Je ne vous ai pas parlé jusqu'à maintenant. Donc j'ai simplement une proposition à vous faire par rapport à ça, par rapport à ce constat que vous savez parler dans un domaine qui est votre domaine traditionnel, mais que c'est difficile de répondre à des gens qui vous interpellent sur leur problématique qui est proche de votre problématique. Donc moi, je pense... Et c'est une proposition que je fais à David aux organisateurs. Je pense qu'avant de vous séparer, donc pas en France quand vous êtes revenu, mais encore ici, d'ici la fin de ce voyage, il faudrait que vous ayez un débat non plus avec des conférenciers qui vont encore vous expliquer, à qui vous allez poser des questions, mais que vous fassiez un bilan entre vous, avec comme objectif de justement en tirer les conclusions pour vos actions par rapport à votre bilan, par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais pas avec un conférencier.